YouTube, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo spéciale DIY. Aujourd'hui je vais vous préparer un masque détox slash purifiant pour vos cheveux et votre cuir cheveux. Alors pour la recette, vous avez besoin de rasoul. Vous avez aussi besoin d'une base neutre de masque. Vous avez besoin aussi d'huile, moi j'ai choisi l'huile d'argan. Et enfin du sirop d'agave, vous pouvez rajouter aussi de la glycérine ou du miel. C'est ce que vous voulez en fait. Ce qui est bien avec le rasoul, c'est que ça permet après vraiment de détoxifier le cuir chevelu et de, par la suite, quand vous faites des soins, ça va vous permettre vraiment de, aux cheveux d'imprégner tous les bénéfices que vous leur apportez et ça va vraiment permettre aux cheveux d'être bien nourris. Donc j'ai mon masque fait maison jusque là au rasoul. Je trouve qu'il est hyper liquide. Si vous voulez qu'il soit moins liquide, mettez moins de sirop d'agave et mettez un petit peu moins d'huile. Ou mettez un peu moins de, vous savez, la base neutre du masque capillaire et mettez plus de rasoul. Voilà ce que ça va donner. Donc ce sera un masque purifiant qui va vous permettre de purifier votre cuir chevelu, surtout si vous avez des démangeaisons ou des problèmes capillaires, c'est parfait. Et ça va vous permettre d'avoir des cheveux super propres, super doux et en bonne santé. Si vous avez les cheveux trop secs, mettez le paquet sur les huiles et peut-être ajoutez de la glycérine ou du miel, mais mettez le paquet pour que ça soit très nourrissant. Et voilà, vous mettez un petit peu moins de rasoul. Donc on va mettre ça sur les cheveux. Donc mes cheveux, je les ai lavés entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait un shampoing seulement au niveau des racines, parce que honnêtement les racines c'est mon biggest problem. Ouh, on dirait que j'ai des cheveux super longs. Bref, du coup je les ai lavés avec le Shea Moisture à la au black soap que j'ai depuis maintenant plus d'un an et que j'ai enfin fini. Mes cheveux sont un peu humides, mais bon, c'est pas grave. Enfin, ils sont à moitié humides, on va dire. J'ai l'impression que mes cheveux sont de couleur... ils sont, je sais pas, châtain. Pas châtain, mais brun. Ouh, qui m'appelle? Téléphone! J'ai l'impression que mes cheveux sont super clairs. Ils sont pas noirs du tout. Bon, anyway, on va faire le masque tout de suite. Et je vais retrousser mes manches. Putain! Qu'est-ce qu'il veut ?